Salut les amis, c'est Thibaut, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais pas trop vous gâter, c'est une vidéo un peu spéciale parce que comme vous le savez peut-être, je suis parti 2 jours en tournage chez PALF. On vous a préparé du super contenu qui va arriver dans les prochaines semaines. Mais du coup, j'étais complètement à la bourre pour vous faire une vidéo comme d'habitude. J'avais pas envie de vous laisser tout seul, donc je me suis dit que j'allais me lancer un gros challenge. Donc là, je pars complètement à l'arrache, en one shot. Donc je vais pas couper la caméra. Et je vais essayer de vous faire des petits trucs que j'aime bien à la guitare acoustique. Alors je pense qu'il y aura plein de pain. Cherchez pas à comprendre les paroles parce que je vais faire du gros yaourt, je suis nul pour retenir les paroles. Enfin bon bref, voilà, l'idée c'est d'essayer de passer un petit moment sympa ensemble, je vais vous jouer quelques trucs. Franchement, je vais un peu suivre mon inspiration, on verra bien ce que ça donne. Je tente le coup, donc vous me direz ce que vous en pensez. Et pour commencer, il y en a quand même une que j'ai préparée à peu près, c'est la première. Je vais vous jouer The Hill d'un groupe qui s'appelle Bombay Bicycle Club. C'est un groupe d'indie rock anglais que j'adore, que je vous invite à découvrir. Alors ça, c'est ma version un peu custom, mais voilà ce que ça donne. Ça réveille. Ok. Et maintenant, je me retrouve dans le caca parce que j'ai rien préparé d'autre. Je pensais pas qu'elle passerait correctement celle-là. Qu'est-ce qu'on peut faire? Allez, je suis chaud. Je vais me tenter un petit Red Hot. Allez, c'est parti. Timide l'intro. Sometimes I feel like I don't have a partner. Sometimes I feel like my only friend. The city I live in, the city of angel. Lonely as I am, together we cry. Streets cold, she's my companion. Walks to her heels cold, she knows who I am. She sees my good deeds and she kisses me windy. I never worry, so this is a lie. I did that day. Take me to the place I know.
je me suis foiré sur la fin, mais c'est pas grave. Ouais, putain, c'est pas facile hein, cet exercice, mais voilà, je pense que c'est important pour vous aussi de temps en temps d'oser, d'oser y aller, quoi, parce que nous, on est bien planqué derrière notre caméra, on peut faire plusieurs prises, on peut recommencer, donc quand on voit le résultat final, c'est toujours nickel. Mais la réalité, hein, c'est qu'on est comme tout le monde, on passe du temps à se louper, à faire des pains. Donc voilà, je voulais aussi tenter un petit peu de y aller sans filet, voir ce que ça fait. C'est pas facile, mais c'est la réalité, donc voilà, je l'assume. Hein. Donc ça, c'était les Red Hot. Qu'est-ce qu'on pourrait se faire d'autre de sympa? Un autre morceau que j'aime bien jouer. Pareil, je connais pas les paroles, c'est honteux. Hein. Tout ça, c'est des groupes que j'adore, mais j'accorde vraiment aucune importance aux paroles. En fait, dans les chansons, c'est vraiment la musique qui me porte, la voix aussi. En tout cas, la manière de s'exprimer vocalement. Mais c'est vrai que le contenu des paroles, c'est pas du tout un truc qui me parle. Donc voilà, même Under the Bridge, ça fait 20 ans que je l'écoute, mais je suis pas foutu de connaître tous les couplets. Donc voilà, cette chanson-là des White Stripes, il me semble qu'elle s'appelle You've Got Her In Your Pocket. C'est sur l'album Elephant, une chanson acoustique qui est vraiment cool. Eh ben, on va y aller, hein. Quand même recommencer, parce que là, c'était particulièrement dégueulasse. C'est dans le registre posé, une chanson de Ben Harper cette fois-ci. Je crois que c'est Amen Omen qui était sorti sur... comment il s'appelle ? Sur Diamonds on the Inside, la pochette avec une femme qui est à genoux de dos sur du sable. Il est super sympa cet album. Allez, c'est parti. Ça, ça pourrait faire un bon tuto d'ailleurs, faut que je me le note, parce qu'il y a des petites progressions d'accords qui sont très cool là, en fait, sur des accords ouverts, des petits mouvements. On va se faire ça, un de ces quatre en unplug. Find a better place to live my life.
se louper sur la fin. C'est pas grave. Bon, ok, donc ça c'était Ben Harper. Sur quoi on peut partir? Qu'est-ce qu'on pourrait faire de cool? Je vais me saucer, on va tenter Snow des Red Hot. Alors très franchement, déjà l'intro, j'y arrive, je pense, une fois sur trois à peu près correctement sur l'électrique. Donc là, sur la folk, ça va être un gros massacre. Allez, c'est pas grave, on y va, on est chaud, on est chaud. C'est vraiment la cata. C'est pas grave, on y va. Ouais, je suis à la rue. Voilà, c'est ça. Bon, je vais partir direct sur le couplet, on va pas refaire le massacre de l'intro. Hein. Alors celle-là, j'aurais vraiment pas dû m'embarquer dans ce plan foireux, c'était dégueulasse. Bon, allez, tant pis. Ok, donc le snow, on l'oublie, là c'est pas du tout au point. J'aurais quand même pu un peu le réviser avant. Je suis embarqué dans un vieux traquenard là. Oh là là, ok. Bon, alors qu'est-ce que je peux faire que je maîtrise un peu mieux? Alors, est-ce que le Arctic Monkeys, je vais mieux m'en souvenir. Alors ça, c'est une chanson qui s'appelle Departure Lounge des Arctic Monkeys. Je sais plus si c'est sur un EP ou si c'est sur leur premier album. Bah, en espérant que ce soit moins catastrophique que sur les Red Hot. Faut que je révise mes chansons acoustiques, là c'est une catastrophe. Ah, ma pauvre Furch, elle sort plus de sa housse depuis des plombs, mais là c'est là, le désert de Gobi. Là. Bon, ça c'était un premier bout du morceau, après il y a un refrain qui est très cool que j'ai oublié, c'est pas grave. Alors attends, pendant qu'on est dans les Arctiques, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre qui est sympa? Comment c'est? Ça, c'est... comment elle s'appelle, celle-là? Là, vous n'avez pas pu reconnaître hein, pour l'instant, on est d'accord. Je ne me souviens plus du nom, d'ailleurs.
save last night. Ouais, je vais la tenter à l'arrache, je me souviens même plus des accords. Peut-être que ça va me revenir en la jouant. Et comment elle s'appelle? Ouais, puis je vous remettrai le nom dans la description de la vidéo. Voilà, je suis désolé. Vous voyez ce que ça donne une vidéo pas préparée, c'est vraiment le carton. Allez. Ah, c'est Riot Van. The roars of Riot Van can take excitement through a dawn. C'est revenu à peu près au feeling, là, tant mieux. Et puis une petite dernière, là, qu'est-ce que je pourrais faire Ouais, on va tenter un Billie Jean. On est chaud, on tente un Billie Jean. C'était sûr, j'allais me vautrer.
Bon voilà les amis, je pense qu'on va arrêter là le carnage. J'espère que je vous aurai pas trop dégoûté avec cette vidéo, que vous n'allez pas fuir Guitar Plug and Play. Voilà, c'était une petite expérience pour moi. Merci d'avoir regardé ça jusqu'au bout. Promis, la prochaine, ce sera comme d'hab, un format que j'aurai bien travaillé, qui sera bien propre et bien cadré. En tout cas, si ce format vous plaît, je pourrais peut-être le recommencer, mais je vais quand même m'y prendre un peu moins à l'arrache et essayer de rebosser un minimum les morceaux. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et puis, je vous dis à la prochaine pour un vrai beau tuto. Allez, salut !